Alors, comment faire une quiche saumon épinard? Donc pour cela, il vous faut une pâte feuilletée, 200 g d'épinards, 200 g de saumon, 3 œufs, 25 cl de crème fraîche, du sel et du poivre. Alors, pour commencer, vous allez casser 3 œufs entiers. On va mélanger avec 25 centilitres de crème fraîche, ce qui équivaut à un petit pot entier. Vous mélangez bien. Vous savez. Vous poivrez. Votre préparation est prête. On va la mettre de côté. On va mettre la pâte dans le moule. Alors, mettez votre pâte sur le moule. Moi, j'ai pris un moule pour deux personnes. Donc, je vais couper le surplus. Alors, ensuite, on va étaler les épinards sur la pâte. Donc, pour cela, les épinards, je les ai cuits avant. Ce sont des épinards hachés. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez disposer. Donc, pareil pour le saumon, vous le faites cuire avant. J'ai fait cuire en papillote. Vous le hachez. Et vous le disposez sur les épinards. Et terminez par verser votre appareil que vous avez préparé juste avant. Et voilà, vous n'avez plus qu'à mettre au four. Alors, mettez votre quiche au four pendant 30 minutes à 170 degrés. Vérifiez votre quiche de façon à ce qu'elle soit bien dorée. Et voilà, votre quiche, une fois cuite, vous pouvez la servir chaude ou froide accompagnée d'une salade verte.